Regarde le fauteuil, ça me dégoûte. C'est sa maison. C'est grâce à elle que t'es là. Non mais ferme-la, quoi. C'est quoi ce bordel? Putain, Will, t'es qu'un porc. Julie, attends. Mec, réveille-toi, viens. Julie, reviens, allez. C'est pas la con. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Merde, faut pas bouger, putain! C'est quoi ce bordel? Julie, ça va? Aidez-moi! Venez me chercher, au secours! On est là! T'entends? Quoi? Y'a pas de bruit. Rien. Pas de vent, pas d'oiseaux. Rien. Merde! Non mais tout ça, c'est de ta faute. T'aurais pas été un putain de pervers, on n'en serait pas là! T'aurais été cité à la con! Non, mais j'ai compris. C'est ça, hein? Tu manigances des pièges pour violer des filles, hein? Avoue! Non, mais pauvre fille, t'aurais pas couru comme une écervelée, on serait pas tombé dans ce trou de merde! Si seulement tu n'étais pas physiquement intelligente, tu me fais pitié. Quoi? T'as très bien compris. Toi, t'es faite de collègues de boulot handicapés, non mais quelle merde! C'est le bal des monstres là-dedans. Putain, mais pourquoi j'ai accepté de venir? Peut-être parce que pour une fois, je voulais sortir sans avoir honte de toi, hein? L'handicapé. Tu crois que c'est dur de vivre avec ton handicap, c'est ça? Non mais tu crois quoi, hein? Tu sais ce que ça fait d'être exhibé au bras d'une fille à moitié normale? Elle est partie. Elle est plus là. Elle m'a laissé tout seul. Putain, je suis tout seul. Elle m'a laissé. Je suis tout seul. Putain. Putain.
Docteur, qu'en pensez-vous? Je doute qu'un jour il y ait une amélioration. Mais il peut nous entendre? Malheureusement, il ne peut faire que ça.